séance de veiller, de relaxer. Puis après, mais quand on recommence l'école, t'es plus content, t'es plus sûr de voir tes amis. Puis là, t'en fais des activités, j'aime ça. Ben ça, c'est super important parce que, faut que tu laisses à ton cerveau comme une petite pause, là, parce que c'est toute l'année, t'as travaillé fort, puis tout. Puis rendu à l'été, c'est le fun de comme un peu décompresser. C'est sûr qu'à un moment donné, il faut que tu reviennes. J'ai quand même hâte d'aider mon frère parce que il plante des courges, puis il en vend. Puis moi, cette année, ma mère a acheté des graines de pois, des sables, des pois qui vont être mauves, puis une autre sorte. Je trouve que c'est quand même important d'arrêter l'école parce que si on serait à longueur d'année à l'école, il y a beaucoup de jeunes qui sont fatigués à l'école, ça demande beaucoup d'efforts aussi. Fait qu'avoir comme des pauses l'été, pis tout ça, ben, tu peux reprendre ton énergie, tu peux au moins vivre un peu ta vie parce que oui, à l'école, tu vis ta vie, mais comme tu es tout le temps à l'école, tu décides pas vraiment genre ce que tu fais, pis tout ça, tandis que là, ben, tu peux comme profiter un peu de ta vie, puis comme, reprendre de toute la fatigue que tu as eue pendant l'année, pis tout ça. S'il n'y aurait pas de vacances d'été, ça serait un peu plate parce qu'on n'aurait pas de pause ou ça pourrait être compliqué comme les profs ils nous disent tu changes d'année puis on fait pas de pause. C'est comme il n'y aurait pas trop de repos là. Ça nous permet de se reposer justement, puis stresser des examens. On peut voir nos amis hors contexte que l'école, puis il y a un travail à remettre, faut qu'on se dépêche. Ça, c'est le fun.